Voilà l'endroit où normalement devraient être stockés les sacs d'environnement recycling, comme l'a indiqué le responsable de la CGT. C'est l'ancien bâtiment de Méral, dans la zone industrielle, la rue Eugène Sue. Donc on distingue derrière les vitres les sacs entreposés, mais pour le moment on ne voit pas de carreaux cassés, mais il est vrai que c'est vraiment de l'entreposage qui pose question pour du matériel, enfin pour des déchets réputés dangereux. Donc voilà, on voit que sur toute la longueur du bâtiment, il y a des sacs qui sont entreposés très haut. On peut les distinguer. Et ça jusqu'au bout du bâtiment. Voilà. Et le bâtiment va jusqu'à là-bas. Alors là, effectivement, on distingue une vitre qui a été cassée. Et derrière laquelle, on voit bien qu'il y a les sacs. Voilà. La vitre est cassée, évidemment. On ne peut pas faire de film de l'intérieur du bâtiment. Mais en se mettant à l'extérieur, on voit bien tous les sacs entreposés.